favori qui a aucun rapport, c'est ceci. Donc ça, c'est une sorte de torche lumineuse qui est donc de la marque Polochon et compagnie, qui est une marque française. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai acheté cette petite torche. Donc, comme vous le savez peut-être, donc on a déménagé dans un appartement qui est un T2, donc nous n'avons qu'une seule chambre maintenant, et Inès, notre fille, dort dans la chambre et nous, on dort dans le salon. Ça oblige à repenser un petit peu toute la façon de se préparer le matin, parce que du coup, on vit tous les deux avec Quentin dans la même pièce. Donc le matin, quand on se réveille, on peut pas allumer plein feu parce que ça réveille l'autre, parce qu'on se réveille très rarement à la même heure. Moi, quand je commence le travail à 7h le matin, je me réveille à 5h30, donc je peux pas lui mettre plein feu dans les yeux. Et puis pour plein d'autres raisons, pour aller voir Inès, pour vérifier qu'elle dorme bien la nuit, etc., c'est un peu compliqué d'allumer les lumières, puisque donc on vit maintenant tous les deux dans la même pièce. Elle a la chance d'avoir une chambre. Et donc j'étais partie au début, je me servais de la fonction lampe torche de mon téléphone, mais c'est un peu violent. Et donc je suis tombée sur cette veilleuse qui est donc pensée pour les enfants, mais vous en faites bien ce que vous voulez. L'avantage, c'est qu'elle peut avoir plusieurs vies au fil des années. Donc c'est une sorte de lampe baladeuse qui est donc qui se recharge en USB. Donc vous avez la petite prise qui est ici, bien sûr le chargeur est fourni avec. Donc voilà, il n'y a pas de pile, rien du tout, donc ça c'est hyper économique et écologique. Et vous pouvez vous en servir donc pour vous balader, pour vous en servir comme lampe torche. Vous avez deux niveaux d'éclairage, mais je pense que là vous n'allez pas vous en rendre compte, puisqu'on est en plein jour, premier niveau et deuxième niveau, mais je crois pas que vous ayez vu la différence, mais il y a une nette différence. Et ça peut également grandir avec l'enfant, dans le sens où vous avez peut-être déjà tous fait comme moi des sortes de cabanes dans votre lit avec un manche à balai et une nappe ou un truc un peu tendu comme ça, et puis vous aimez bien lire avec une petite lampe torche en dessous. Et ben voilà, ça peut vous servir à ça aussi. Vous pouvez l'accrocher sur une sorte de fil ou sur un joli câble ou un nœud pour en faire une lampe d'appoint par exemple pour une table de nuit, si par exemple vous n'avez pas de prise à proximité. Bref, c'est hyper agréable, pareil pour des biberons dans la nuit. Alors nous, ça nous arrive plus, mais je pense que c'est une lampe qui aurait pu nous servir pour ça aussi, si vous voulez vraiment juste éclairer la chambre de façon très légère, pas de lumière directe ou quoi que ce soit, pour pas trop réveiller votre bébé. Ça peut être une bonne chose. Donc voilà, c'est de la marque Polochon et compagnie. J'ai oublié le prix, ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté maintenant. Donc c'était, comme je vous disais, en anticipation du déménagement, mais j'essaierai de vous trouver un lien. Moi, je crois que je l'ai acheté sur le site de la marque.